Comédien, vous êtes prêts? Ouais. Les courbes des résultats n'arrêtent pas de descendre, le chiffre d'affaires plonge. Bientôt ce sera au plus bas. Il faut dégraisser. Il faut dégraisser. Maître, je m'y attache. J'y suis au maximum pourtant, hein. Je frotte, hein. Quand j'ai dit à dégraisser. Une position dans 30 secondes. Il va falloir se débarrasser de quelques-uns de nos collaborateurs. Ça me déchire le cœur. Non. Ah non. C'est pas possible. Attendez, je prends le téléphone. Je prends l'écouteur. Non, mais je vais pas vous appeler, vous êtes à côté de moi. Conversation. C'est un vieux téléphone. La DRH, oui. Oui, la DRH, oui. Quel service peut-on. Là. Oui. Ah oui, c'est vrai, il ne sert à rien, oui. Oui, tout à fait. Très bien. À commencer par la standardiste que vous tapez. Oh, les vieux dossiers sont là, la standardiste. Ah, c'est trop bien, tu vas nous Vous avez vu, la standardiste réveille, enfin. De toute façon, on comprend. Les syndicats sont interdits dans cet établissement. Ah bon, depuis quand? Depuis toujours. Enfin, en tout cas, c'est standardiste, avant j'avais tendance à... Mais là, maintenant... Elle m'a refroidi. Moi, je veux bien un potage. Ah, bien mauvais, ça. Bon. Je vais voir avec les DRH pour qu'on prenne des décisions. Allez-y, je vous attends. Bureau d'un DRH entré. Il est entré. Oui. Comme je vous en ai touché un mot au téléphone. Les chiffres sont mauvais, oui. Oui. Attendez, je pose la tête quelque chose dans votre. Excusez-moi. Vous avez un peu de DRH. Oui. C'est un fauteuil à bascule, madame. Exactement. Ça, c'est pour être prêt, superflu. Excusez-moi, madame. Vous allez en parler. Est-ce que je peux sortir? Est-ce que le bureau est vide? Vous êtes adorable, vous gardez votre poste, mon petit. Merci, madame. Je prends comme d'habitude la même porte de sortie. Oui. J'ai l'habitude de passer par derrière. Exactement. Il y a des dépenses bien trop superflues. Toutes ces choses qu'on fait pour les minorités, c'est mon ciel vibreur qui marche. Par exemple, il y a des handicapés dans les toilettes pour se relever. Ça ne va rien, ça coûte très cher. Oui, d'autant que ceux-là sont les premiers à partir, alors bon. Ça sera dommage. Alors, je vous ai fait une petite liste exhaustive. Hein? Mm-hmm. C'est votre boulot. Hein? C'est pour ça que vous avez été contracté, mon petit loup, pour les deux mois à venir. Hein? Vous liquidez. Il y a le bâtiment C à liquider. Je vous fais confiance. Je liquide. Hein? Liquidez. Excusez-nous, est-ce que nous aussi on est virés malgré qu'on soit chez moi? C'est sûr, on a quatre paires de bras, on a deux têtes, mais on a qu'un seul corps. Hein. Non, vous inquiétez pas, j'ai les abouti à la table d'opération. Ce sera radical. Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà écrit à votre mère. Ah. Et alors, ce rendez-vous avec la DRH? Ah, pardon. Alors, ce rendez-vous avec la DRH? Eh bien, c'est moi qui suis chargé d'exécuter. Ah oui, non, mais alors, ne me dites pas que je garde le boulot. Ah non, non, je peux pas. Si, je dois commencer à remettre votre tête, là. Disons les vieilles méthodes, mettez votre tête. Est-ce que ça fait mal? Non, vous ne sentirez rien. Je veux que je le fasse.